Aujourd'hui, nous allons parler du marketing digital pour votre restaurant. Ils sont nombreux les restaurants à Paris et en Ile-de-France. Mais savez-vous combien il y en a vraiment ? Certains sites parlent d'environ 12 000 restaurants parisiens. De plus, sur ces 12 000, il y en aurait environ 115 étoilés Michelin. De quoi vous offrir un large choix de restauration si vous êtes touriste ou que vous cherchez où manger. Certes, en raison du Covid, vous vous en doutez, un certain nombre de restaurants ont peut-être mis la clé sous la porte et ne rouvriront jamais. Cependant, une grosse partie des restaurants sont toujours là et tournent à plein régime. Qu'en est-il du marketing digital ? Les restaurants se sont-ils digitalisés ? Ils sont probablement encore nombreux à ne pas miser sur le digital. Car certains établissements sont si bien placés géographiquement que la clientèle afflue de manière naturelle et ils n'ont rien d'autre à faire. Il est indéniable que l'emplacement géographique est très important pour avoir des clients dans son restaurant, ainsi que l'originalité des plats et de la réputation du restaurant. Néanmoins, il est vrai que de plus en plus de restaurants ont compris au cours des années qu'il fallait avoir au moins un site web et être présent sur Internet. C'est déjà un bon début, même s'il reste encore beaucoup à faire en la matière. Mais à quoi ça sert pour un restaurant d'être présent sur Internet ? On entend souvent dire que 90% des internautes recherchent d'abord en ligne le restaurant où ils comptent manger. Ces mêmes internautes vont très souvent lire les avis que les anciens clients ont laissés sur la fiche Google de l'établissement afin de savoir s'ils vont y aller ou non. Il paraît donc extrêmement important d'avoir une bonne image en ligne pour ne pas faire fuir ses futurs clients. En particulier si Internet cristallise la phase de décision du client, qui est donc l'étape décisive du processus de réflexion avant de venir dans un restaurant. En donnant le plus d'informations possibles sur les spécificités que vous proposez, le menu, le cadre, la localisation du restaurant, et en mettant en avant les avis des anciens clients, vous pourrez instaurer la confiance des internautes et obtenir davantage de venues dans votre établissement. Alors que faut-il vraiment faire en termes de marketing digital pour son restaurant ? Voici les conseils de notre agence digitale. Avoir un site web avec au moins une page web au minimum qui présente son menu et le restaurant. En effet, même un one page est mieux que rien du tout. Pour votre site web, nous vous recommandons de le faire au moins en français et en anglais, car les touristes sont nombreux à chercher en anglais plutôt qu'en français. Également, n'oubliez pas de mentionner la composition de vos plats en cas de clients qui auraient potentiellement des allergies à certains ingrédients et ainsi éviter d'éventuels problèmes. Si possible, proposez la réservation en ligne via votre site web ou via un partenaire comme The Fork par exemple pour faire gagner du temps à vos futurs clients et ne pas les faire attendre devant le restaurant. Cela est très apprécié de la clientèle car personne n'aime attendre et perdre son temps. En plus de votre site web, il paraît indispensable d'avoir une page Facebook afin notamment de mettre en ligne des photos de vos plats. Avoir un compte Instagram, un compte Twitter, avoir une page sur TripAdvisor et évidemment avoir un compte Google My Business pour gérer votre fiche Google Maps car c'est ce que voient en premier les internautes en vous cherchant en ligne. Pour aller plus loin, vous pouvez faire un peu de publicité en ligne avec Google Ads notamment. Vous paierez au clic et vous pourrez cibler de manière très précise vos publicités sur les moteurs de recherche. Quelques euros par jour peuvent donc suffire pour être visible à travers ce canal. Et cela peut varier en fonction de votre activité et des mots sélectionnés. Vous pouvez aussi contacter des influenceurs et des blogueurs pour qu'ils parlent de vous en ligne. Vous pouvez contacter un vidéaste pour faire une courte présentation de votre restaurant. Vous pouvez également contacter une agence digitale spécialisée dans le virtuel, comme Virtual Time. Et vous pourrez ainsi proposer une visite virtuelle de votre établissement sur votre fiche Google Maps. Ou au minimum, une vidéo virtuelle de votre restaurant que les internautes verront quand ils vous chercheront en ligne sur Google Maps. Pour finir, et si vous êtes motivé, lancez un blog pour compléter votre site web et vous pourrez y partager des actualités gastronomiques diverses et instructives. Enfin, on pourrait encore évoquer plein de possibilités, en particulier si vous proposez la commande en ligne de vos plats. Cela pourrait s'accompagner d'un site web marchand et de partenariats avec des applications mobiles qui proposent de faciliter cela. Bref, la liste est longue. Dans tous les cas, n'oubliez pas que votre fiche Google est la première chose que l'internaute voit quand il vous cherche sur le net. Et notre agence se tient à votre entière disposition pour vous aider à optimiser votre présence, ainsi que pour compléter votre fiche Google avec des photos virtuelles et visites virtuelles. Pour plus d'informations, visitez notre site web www.virtualtime.com.